Salut tout le monde, c'est Docteur Sinistre et qu'on se retrouve pour la suite de Need for Speed Underground avec la Supra jaune avec Optimus Prime. C'est fou. C'est absolument fou. Et je suis en train d'attendre pour pouvoir prendre un screen. En plus, non, c'est la position de la bagnole est même pas classe. J'ai du mal des fois à trouver une position pour la bagnole pour prendre un screen et vous faire une belle petite miniature. Bref. On ne va pas ok. On va pas traîner plus longtemps que ça parce qu'en plus la musique va me faire repérer au niveau YouTube et je vais me retrouver dans la merde. Donc on va commencer sans plus tarder avec une petite course d'endurance, j'ai cru voir. Alors j'essaie de... Je suis désolé, je me fais un peu de bruit au niveau du micro. Mais j'étais pas bien positionné. Poilonnet. Alors, n'empêche, mine de rien, on avance bien dans ces forcements de rang, hein. Après, ce qui va commencer à vraiment nous retarder, ça va être tout ce qui est course d'endurance. Ils sont quand même relativement corsés. Oula! Je disais donc relativement corsés. Et s'il faut les recommencer sur la fin, il y a 6 tours à se retaper, 6 à 7 tours. Je crois qu'il y a certaines peut-être à 8. Et ça prend du temps. Bon, ça, je me débrouille plutôt bien. Ah, j'ai fait un peu de la merde au niveau de l'enchaînement de virage. Après, le truc avec les courses d'endurance, c'est pas d'être premier tout du long, c'est d'arriver à la fin premier. Ah, bon, ça marche pour toutes tes courses, mais surtout pour les courses d'endurance. L'important, c'est pas de trop se faire distancer et après tout donner sur la course sur le dernier tour. On garde un nitro, on balance pas comme un couillon. Voilà, je me suis planté, c'était de sa faute, il a essayé de pas m'aider par mal ralenti. Donc ça va, c'est pas trop grave. Ça va pas me coûter la course. Bam. Oula. Ça par contre c'était un peu dégueulasse comme ça m'a stoppé net. Apparemment, on va faire comme si de rien n'était, hein. Moi, je suis en train de me dire que graphiquement, quand même, ce Need for Speed Underground 1 sur PC avec les graphismes à fond, au final, c'est plus ou moins les graphismes qu'on avait sur sur Underground 2 sur console. Parce que graphiquement, Underground 1 et 2, quand même, sur console, il y avait quand même une belle différence, une belle marge de manœuvre. De progression. Bon, qu'ils sont plus si impressionnantes que ça maintenant, hein, c'est sûr. Mais quand même. Et aussi au passage, j'ai toujours aussi nombreux à suivre cette série globalement. Hein. Vous êtes toujours quelques-uns à attendre votre petit épisode du dimanche midi. J'arrive pas à prendre ce virage correctement. Et je tiens à vous en remercier parce que ça fait plaisir. Parce qu'au bout d'un moment, on a beau faire des vidéos sur YouTube, si la personne qui les regarde, ça sert un petit peu à rien. Bon, l'essentiel c'est de kiffer. Là, j'ai fait une connerie. Je disais donc, j'ai fait une connerie. Oui, faire des vidéos sur YouTube, si la personne qui regarde, ça sert un peu à rien. Toujours merci d'être toujours là, d'être toujours présent. Ça fait plaisir. Après, l'air de rien, quand même, on arrive à grands pas à la fin de cette série. Hein. On fait toujours une dizaine de courses par épisode. Ah, ça c'était par contre une grosse connerie de me retrouver dans cette situation. Thank you.
Je disais donc une dizaine de courses par épisode. Ce qui fait que bah sur s'il y a effectivement si on garde ce rythme là. Avec un total de. Putain il part loin le cône. Ah ça c'était par contre une erreur très très conne. J'ai voulu tenter le raccourci, c'était une mauvaise idée. Donc ouais, on a normalement pour une dizaine de vidéos. Hein. On va monter 13 vidéos peut-être pour arriver à la fin. Allez, 14 si le jeu semble résistant. Et propose un peu trop de courses longues. Pourquoi on a parcouru plus de la moitié du chemin, hein. Concrètement. Là on arrive au dernier tour. C'est pas le moment de se rater. Là je l'ai bien pris. Là. Fais pas le con, prends pas le raccourci. Démerder pour dépasser ce con là parce qu'il commence à franchement me faire chier. Ok. Bon. L'essentiel de cette opération, c'est qu'il se soit planté. Mais pas trop quand même hein. On sait jamais des fois. Et merde. Des fois qu'il se passe des conneries dans ce style. Pfiou. Les courses d'endurance, j'aime pas ça. Circuit terminal. Tu m'attends que c'est 5ème, hein, d'accord, je l'avais pas compris. Un peu dans le gaz, moi. Hein. Allez, quart de course, on continue, mon lipa. Le pont bascule. Tout le défi. Rate pas ton saut au-dessus du pont et bascule, car à chaque tour, la dernière voiture est éliminée. Le pont à bascule. Ils appellent ça un pont à bascule. Pont. Chez moi, à la rigueur, on appelle ça un pont-levis. Ok, merci, connard, sac à merde. Vous savez quoi, on va recommencer direct, on va pas se prendre la tête, hein, la voiture a commencé à faire de la tectonique là. En général, ça sert à rien d'assister. Et merde. Allez, c'est pas foutu. On a une bonne bagnole. Bon, elle est parfois un peu lente à la réaction quand je lui demande de tourner, mais c'est pas grave.
remonte, on remonte, on remonte. Mip mip motherfucker. Youhou. Allez, dégage devant mon pare-choc, toi. Ouh. C'était le virage foireux. What? Ok. Mais y a pas moyen quoi. Pas moyen d'esquiver. J'ai bien envie de prendre comme ça pour voir. Je vais y dire, bah, je... Allez, maintenant, c'est un duel à mort. Il s'agit de pas se planter. Je lisais donc, ne pas se planter. Oui, oui, oui. Bouge. Qui est une avance confortable. Le tout c'est de maintenant ne pas la paumer. Genre en faisant n'importe quoi comme ça, ça c'est une très mauvaise idée. On va quand même prendre par là au final, je trouve que c'est ce qui donne quand même le plus de d'élan. Surtout quand on se prend pas les bords, mais ça bon, c'est pas grave, on va faire avec. J'essaie quand même de garder un œil quand même sur mon logiciel d'enregistrement vidéo parce que bon, la vidéo qui m'a complètement foiré, ça m'est quand même bien resté en travers de la gorge quoi. La vidéo avec toutes les saccades qui arrêtaient pas. Ouh, j'ai gagné un Vénus nul nick. Je suis trop content. Ah là là. Bah vous savez quoi, maintenant que de toute façon j'ai mis un peu de nawak là sur ma bagnole, on va un peu regarder au niveau des villes uniques, effectivement. Non. Voir un peu ce qu'on a à disposition. Ça c'est ce que j'avais débloqué, oui. Custom. Ah oui, une rose à la con. Wow. Le seul vinyle que t'as sur un bagnole, c'est le vinyle AutoZone. Il est peur. Ça, c'est pas trop mal, la rigueur. Ça aussi, c'est pas mal. Mais ça donne que sur les côtés. Ouais, dans ce cas, non, c'est un peu dense. Ouais, on va garder ça pour l'instant. Faute de mieux et d'idées. On arrive du sprint. Putain, le sprint de la mort. Et ouais, on va commencer par ça. T'as encore cette merde. Carte était comme dit de pas de puissance ce soir. Montre-lui que ça ne l'impressionne. Que ça ne l'impressionne pas. Oui, en même temps, si c'est ses potes qui sont doués, j'en ai un peu rien à foutre quoi.
quand même des bons reflets sur les carrosseries des bagnoles. Ok, j'ai fait de la merde. Ah, sur 5 tours en plus, quoi. Pourquoi est-ce que les circuits foireux, il faut toujours que ce soit sur ceux-là qu'il faut faire 400 000 tours? Une raison particulière? Bon, je reconnais, je l'ai un peu poussé, le pot. Wow. Ok. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé en fait exactement, mais je pense qu'on ne le saura jamais. Putain, lui, c'est par contre foiré quand même, gros con. Tenter le frein à main, mais apparemment c'était une assez mauvaise idée. Ouais, le frein à main quand même est assez fort dans le jeu. À chaque fois j'arrive à être devant lui. Le mec il doit péter un câble. Vraiment du mal sur ce circuit là. Hein. Aïe 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 quoi. Je sais bien larguer là, j'ai une bonne avance. Effectivement, 6 secondes d'avance, c'est plus qu'honnête. Dérapage. Bon, on arrive au dernier tour. C'est le moment où il faut vraiment pas se rater. Cette barrière qui vient de je sais pas où, mais qui traîne depuis un moment. Wow. What the fuck? Alors je continue à creuser mon avance, tant mieux. Ah, par contre je suis en train de la perdre grandement mon avance. On va booster un peu la moitié ici. On regarde un peu pour s'il se passe de la merde. Meep.
Je m'arrêtais autour du mec, quoi. Ouh. Ouh, j'ai gagné pas mal de points. Moderne 2. Ouais. Ah, la Nissan 350Z. C'est stylé. Après, je pense pas qu'on la prendra. Actuellement, j'ai pas cette envie là, en tout cas. On va juste regarder un peu. Ouais. Cette voiture, il y a des fois, je la trouve super moche. Il y a des fois, je la trouve assez classe. Je ne sais pas pourquoi. Les formes de cette voiture me font des... Ah ouais, là, on gagne en tout point, normalement. Ouais, bah, on garde la Supra pour l'instant. On verra plus tard pour un changement de bagnole. Le Rush Defense Rally. Ce soir, les routes sont toutes embouteillées. Gagne pour décrocher la 5e place. Génial! Fallait évidemment que ce soit avec un max de bagnole. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Allez-y. Enculez-moi avec du verre pilé, j'apprécie. Petit coup de nitro pour montrer que je suis un meilleur quand même. C'est pas du tout ce que j'ai prévu comme trajectoire. C'est pas là. C'est pour mettre un peu de challenge. C'était fait exprès. Hop, hop. Ah, le trottoir il m'a fait mal. Le trottoir m'a complètement fait déraper. En mode YOLO, démerde-toi. Lâche les commandes et brille très fort. Olé. Ah, je crois que c'était la femme, en fait pas du tout. Hein, c'est quoi cette zone? Je ne connais pas. Je suis perdu. Nouvelle zone, je suis paumé. Je ne sais pas où aller. Putain, j'avais aucun souvenir qu'il y avait un passage comme ça dans le jeu. On va pas... Hein. Là, j'étais en mode roue libre totale, quoi. Aucune idée d'où est-ce que je pouvais bien aller. Bon, bah ça s'est quand même plutôt bien passé. C'était pas tout à fait ça, mais c'était pas trop mal. C'est que Spring David Ware. Oui, ben oui, continue. Go for it. Bah du drift, oui, oui, oui. Je dois battre ces trois drifters pour grimper dans le classement. Bah allons-y. Allons leur faire les fesses. Leur prouver qui c'est le boss du game. Allez, tac, dès le début j'enchaîne. Et merde. Je disais donc, dès le début j'enchaîne. J'avais pas précisé que c'était les drifts, hein. J'enchaîne les murs. Je suis comme ça, moi. J'ai aucun respect pour les murs.
Ah, dommage. Ah merde. Faut que je me remette à chaque fois, c'est dingue. À chaque fois que je lâche le jeu pendant 2 jours, c'est foutu quoi. Enfin 2 jours là, j'ai joué quand du coup? Il y a 4 jours. Ah, il y a 4 malheureux jours et ça y est, je suis déjà paumé. J'ai déjà plus aucune maîtrise de la bagnole. Ouh, j'ai évité de passer dans le vent. J'aurais peut-être pu réussir à enchaîner les 3, ça aurait été classe. Ah non. Fais chier, à chaque fois qu'elle commence à déraper toute seule, que c'est fluide, que c'est gérable, il y a forcément un moment où ça pêche. Monstrueux. Non. Ah, je voulais enchaîner avec l'autre. Au moins j'essaye. De toute façon, c'est pas comme si c'était dur de battre les autres mecs. Je fais n'importe quoi. Allez, la petite touchette de l'aileron. Pour montrer que j'ai du style. Et que j'ai de l'argent pour préparer la bagnole. Did you hear? Eddie's hung up his driving gloves. He says there's no one out there who's worth racing against. Until someone proves themselves, he's just gonna relax. Je crois qu'elle a parlé d'Eddie, le mec qu'on a vu au tout début, là, qui se l'a pété avec ses bras tout musclés, sa tête de con. Vinyle qui a pas en dire de niveau 2. Wouh! Un vinyle de carrosserie. Eh ben. Vinyle combo. Ah, la Mazda RX-7 1995. Ça, par contre, on va peut-être la tester un petit peu. Alors, carte de course, on a un drag. Ouais, bon, on va en profiter, du coup. Alors, Mazda, RX-7, oui. Ouais, ça lui va pas trop bien, là, les... c'est dégueulasse. Oh, le pare-choc avant rend dégueulasse sur cette bagnole. Ouais. On va tester un peu. Yo Lucky, you got your rabbit's foot with you? You gonna need it, cause I got some dope stuff under the hood now. Tell me how my exhaust smells from back there, sucker. Le bruit court que si tu bats clutch cette fois-ci, il se retire du circuit. Bah, il serait peut-être temps. Le mec, il se fait bousiller par un mec, il a commencé avec une Golf il y a 3 jours. Bah, il y a 3 jours, non, si on compte aller une nuit par circuit. C'est quand même un plus. Ah non, elle a pas voulu tourner. Mais sinon, elle marche bien. Ah, pour le drag, elle marche super bien. Bouge. Ah, chier. Non. Youhou. Youhou. Elle marche super fort. Guess your luck just keeps on. Mom's run out. Gonna take a load off and just watch the action.
Ok, ouais, c'est ça. Bah écoutez, on va peut-être la garder un petit peu, du coup, cette bagnole. Juste, c'est pas possible que je roule avec une bagnole avec un pare-choc avant si pourri. On va pas trop la modifier à côté de ça, parce que pour l'instant, bon, je sais pas trop ce que je vais en faire. Si je vais la garder ou pas, on va mettre ça en attendant, si c'est un peu moche quand même. Contre la montre. All right, I'm gonna give you something sweeter than candy for that car of yours. Just win the next race. Ok. D'abord facile parce qu'on n'a plus rien à foutre et qu'on n'a pas envie de recommencer 15 fois la même course. Hein, que ce soit moi ou vous, je pense qu'on est d'accord pour dire ça. Contre la couleur, je lui va pas du tout. Elle tourne vachement plus fort. Ah ouais. Ah ça tourne. Ah elle tourne carrément. Ah ouais non mais elle braque à fond la caisse. Hein. Elle est collée au sol. Hein. Bah, je pense qu'on va peut-être la garder même carrément. Hein. Elle me plaît beaucoup. Pour l'instant, elle me plaît vraiment beaucoup. Il est sympa, ils ont fait un effort d'essayer de reproduire un peu le son d'un moteur rotatif. Il y a un effort. Bon, après, les moteurs rotatifs, ça fait quand même un bruit un peu pourri. C'est un peu un bruit de tondeuse quand même, des fois, faut l'avouer. Mais c'est stylé. Hop, hop, hop. Putain, elle tourne tellement fort, c'est un truc de dingue. Comparé aux autres bagnoles avec lesquelles j'ai pu jouer jusque là, c'est quand même impressionnant. Le vinyle Momo. Wou wou wou. C'est un tas force de choisir un des trois styles de spoiler suivants. Ah, c'est bien ce que je pensais. Je pensais que c'était pour l'autre, mais c'est vrai que j'ai complètement zappé qu'il me suffit de vinyle. Ok. Alors ça, c'est celui que je prends tout le temps. Je l'aime beaucoup. Celui-là, il est sympa, mais pas extraordinaire. Le katana est parfois stylé, mais avec très peu de bagnole. Genre là, il rend pas trop mal, mais j'ai quand même du mal avec le style de l'aileron. A voir celui-là. Ah, il rend quand même bien. Hein. Duel GT est quand même classe aussi. Pour changer, moi personnellement, mon côté, je vais prendre le Duotech. Voilà. Par contre, du coup, comme j'ai un peu l'intention de la garder, la voiture, au final, on va prendre un peu le temps de la modifier un peu. Alors, dans quel ton on va la mettre? Peut-être du vert. Ah, et du vert, c'est pas mal. Du vert, c'est pas mal du tout. On va voir dans les trucs parlés, peut-être. Burk. Non.
Ça peut être stylé, mais non. Ouais, la couleur me plaît bien. Juste par contre, première chose qu'on va faire, du coup, on va virer cette merde. Voilà, comme ça, on a une bonne base sur laquelle continuer. Peinture, jantes, on va les garder comme ça. Quoique, est-ce qu'on doit... On va le mettre en noir, tiens. Et on s'y tapait, tu suis avec le reste, hein. C'est pas bon la part. De toute façon, on les voit jamais. En rouge, du coup, ça tranche. L'échappement, on s'en fout un peu. Pendant accessoire. Est-ce que je garde les mêmes couleurs de néon et tout? Ouais, pour l'instant, j'ai gardé les mêmes couleurs de néon. Juste, on va peut-être quand même changer les phares arrière. Non. Ah, pourquoi pas? C'est stylé aussi, ça. On va mettre les Reapers. Échappement et compagnie, c'est bon. Vinyle, par contre, on va quand même mettre un peu de vinyle. Histoire de mettre un peu de vie. Carrosserie. Ok. J'avais débloqué les modernes niveau 2. Peut-être le moderne capot, parce que le moderne niveau 2, je crois que vous avez déjà. Ah, c'était les strips, je crois, niveau 2, ouais. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce qu'on a un truc stylé? Ouais, ça peut être stylé. Ça peut rendre bien, mais j'inverserai plutôt les couleurs pour qu'on voit bien les autocollants sponsors. Bon, on va partir sur ça. Une couleur, du coup, noir, ça en blanc. Ouais, ça fait un peu terne quand même. On va voir si on peut peut-être pas rajouter quelque chose. Ça garder les anciennes couleurs, quoi. Avec ça, peut-être. Ça peut donner le petit style en plus. Ouais, je suis pas convaincu, mais j'ai pas envie de trop me casser la tête. Juste au niveau du vinyle arrière. Voilà, c'est bien ce que je pensais. On peut remettre des vinyles arrière qui ont la classe. Au niveau du positionnement, reste à savoir ce qu'on va y mettre. J'ai dit, je l'ai déjà mis. HKS, j'en ai pas mis.
Va pour du HKS, tiens. Allez, on est parti. Sprint, les amis, ça va, ça vient. Le but, mais c'est mais te mesurer les 10. Selon lui, tu dois d'abord affronter d'autres coureurs de haut niveau. Pour sur la liste est Samantha. Ouais, pourquoi pas? I trusted you. And now you want to take me on? See you at the street, punk. Pas quoi tant. Est-ce que c'est une voiture Hello Kitty? Bon, ça va quoi, c'est. Wow! Fais une course! C'est quoi le souci? T'es pas là pour justement faire des courses et tout? Ouais, une espèce de voiture Hello Kitty, Zarbi. C'est planté. Elle tourne juste trop bien cette bagnole. Ah, nique ta mère. C'est fait. Au bénéf. Un autre de spécial. Ouais. Bonjour. Bonjour, sa caisse, elle s'est fait embarquer à la fourrière, quoi. Il y a quelque chose qui a pas dû être bien signalé, bien traduit, quelque chose comme ça. Genre, il faut qu'on batte Samantha pour une course pour sa caisse et c'est pour ça qu'elle s'est fait embarquer, un truc comme ça, je pense. Alors, prouve que tu veux battre les meilleurs en renvoyant ces poseurs chez eux. Avec la queue entre les jambes après une course et des règles sur Main Street. Allons-y, je vous attends. En plus, c'est une escalier en lisse là. Un peu laborieux. Hein. Je peux entendre mon portable sonner? Non. Ah, là, on commence à causer. La Skyline. Viens voir ça.
la Skyline. Oh putain que les feux sont dégueulasses. On va la tester un petit peu. Mais je sais pas si on va beaucoup jouer avec. Ouh, un tournoi. Ouais, bah tant pis, on y va. Quatre manches. Ok. On va voir comment elle se débrouille en drague. Hein. Voilà, pas l'air très adapté au course de drague vu que Toffee elle décide de partir à gauche. Merde, je suis gouré de touche. J'étais plus aligné sur mon clavier. Je sais pas si on va beaucoup utiliser la Skyline. On va au moins le tester un petit peu en course, de toute façon. Quoi qu'il arrive. Alors, la grande question qui se pose, c'est... Est-ce que... Il y aura encore les travaux. Il y a encore les travaux, génial. Il y a le putain de cône qui m'a putain de ralenti, nique ta mère. Je sais pas ce qu'ils auront pris avec cette course. Je vais manger pour être devant du début. Sur la fin, si jamais. What? On peut me la refaire, mais sans le jeu qui triche. Mais c'est inesquivable, la bagnole elle tourne pas. On va essayer de se mettre tout sur les voies de gauche. Allez, tourne. On peut même pas se mettre sur la voie de gauche. Qu'est-ce que je fais moi? Essayer de mettre ce que je pensais faire, c'est-à-dire laisser les autres partir un peu devant, déclencher les apparitions de bagnoles. Oh mais sans déconner quoi. Oh là 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 là.
Et il y a la deuxième, quoi. Il y a la deuxième. Il y a la putain de deuxième. J'ai de freiner, quoi. Ah bah il s'est planté. Génial. Oh là 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 là. Si je trouve le développeur qui a l'idée de faire ce circuit là, je vous jure que j'y pète les genoux. Mais j'y pète les genoux en plus avec ses bras que j'aurais arraché, quoi. Mais oh, sans pitié. Oh. Oh la course de fils de pute, quoi. Oh la vache! En plus, on est bientôt à l'heure de vidéo, j'aurais bien voulu faire encore un peu plus de jeu. Au moins, comme je vous disais, pour... Quoi encore? Pour tester la Skyline en circuit. Apparemment c'est pas possible. Putain, si le retour en plus c'est le même circuit mais avec la quoi, mais cette fois-ci encore avec le... On l'a inversé avec la course des... avec la route défoncée, ça va juste pas être possible, quoi. Ça va juste tellement pas être possible. Putain, c'est 206 en fait. Ah, c'est trop moche. Il y avait une bagnole, de toute façon je suis passé par dessus. Pff, allez. J'ai mis la bagnole en mode avion. J'ai fait comme dans Taxi. J'ai sorti les ailes sur les côtés. J'ai fait YOLO. Allez, quoi. Oh là là. Allez, kit turbo, kit de frein. Circuit pourri. On va voir ce qu'on a. Vas-y pour ça. Turbo. Crédit, Stylen, Apexi, Turbo Mythique. Il y a peut-être celui-là que j'ai pas pris encore. Les freins, on va prendre. Willwood. Je suis pas sûr que je les ai déjà eu. Caviar Performance non plus. On va prendre ça. Bon, de toute façon, on s'en fout un peu. Et il nous reste un point. Pour avoir tous nos points de style. Allez, on va... Oh, putain, encore un drag, quoi. On va faire un petit circuit avec la Skyline, quand même. Tant pis, on dépasse un peu le temps imparti que je m'accorde à chaque fois. Mais juste pour voir comment elle réagit. Si j'essaie un peu de la garder ou pas. Elle tourne beaucoup moins fort. On la sent plus lourde. Ouais, clairement. Et là, je suis dans la merde. Je suis dans le nick, comme disent les jeunes. Jeunes de banlieue. Thank you.
Ben, on va retourner sur l'Eric 7, hein. L'Eric 7 tourne tellement bien que... Ouais, c'est dur, hein. Et puis ces foires sont dégueulasses, quoi. Hop, hop, hop. Il n'y a pas de circulation, ça c'est cool, ça circule là. Ils ont été un minimum bon prince. Voilà, c'est pas pareil que je voulais aller, mais c'est pas grave, on va faire avec. J'ai marqué pur de la chaise, quoi. Hein. Au final, apparemment, à droite, c'est pas plus mal. Hein. On va essayer. Allez, dernier tour. Ouais, définitivement, je reprends l'Eric 7. Oh, les gens de niveau 3. Peut-être changer de genre, toi, effectivement, parce que celle-là, elle me convient pas trop. Hein. Donc, échanger, Mazda, Eric 7. Enfin, il y a écrit un moins bon maniement, mais en fait, non, clairement. Visuel, jante. On va voir ce qu'il y a disponible. De niveau 3. Ouais. Pourquoi pas. Ouais. Ouais. Ouais, j'aime bien. En plus, après, je passerai au niveau 5, comme ça, au niveau des... La réputation. Ça sera stylé. On va prendre les Momo, je crois que c'est celle-là qui m'ont le plus plu. Non, c'était pas les Momo, c'est lesquelles. Ouais, celle-là. Allez. Ça sent pas trop ouf, mais j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon. Eh ben, sur ce... Il est l'heure de se quitter. A plus au monde, mangez des pommes, faites du lait, portez ou bien. Passez sur mon Facebook et mon Twitter si ça vous est caché. Je rappelle que c'est via ces deux médias que vous aurez le plus d'informations relatives à ma chaîne. Hein, si vous rattrapez aucune chose importante. Je vous invite également à laisser un j'aime si vous avez aimé la vidéo et à laisser un commentaire si vous avez quelque chose à dire. Voilà. Et ben écoutez, à plus pour la suite de Need for Speed Underground.